Tinorce, le parfait descendant de Kendor. Gris comme Kendor, également champion de sa génération à 3 ans sur le mile en France, Tinorce entame en 2014 sa deuxième année de monte chez Eric l'Ermite en Normandie. L'élève de la marquise de Moratalla fut d'emblée une vedette à 2 ans. Vainqueur du prix du premier pas à Chantilly, il confirme très facilement à Maison Lafitte le 2 juin dans le prix Riverman. C'est parti pour la troisième, le prix Riverman, les poulains, cette fois de 2 ans. Tinorce qui se détache maintenant avec une 2 longueurs d'avance devant Zakilde à l'extérieur, Domino Rock devant Crespo Crispado qui refait du terrain. Tinorce qui accélère et qui écloue sur passe ses rivaux ici. Deuxième place pour Zakilde, la troisième place pour le 6, Crespo Crispado. Parti pour 1200 mètres dans ce Darley Prix Morny 2010. Attentiste dans le prix Morny, la meilleure épreuve pour 2 ans en France, Tinorce produit une accélération exceptionnelle pour revenir chercher la deuxième place dans le sillage de Dreamhead. Dreamhead et William Buick qui vont s'imposer dans ce prix Darley Morny avec le numéro de Dreamhead qui s'impose devant Tinorce. Et ils sont partis cette fois pour la poule d'essai des poulains. Encore dauphin du prix Jean-Luc Lagardère à Groupe 1 à 2 ans en battant Moonlight Cloud, Tinorce va faire une démonstration dans la poule d'essai des poulains Groupe 1 sur les 1600 mètres de Longchamp. Venomous isolé à l'extérieur, Tinorce le numéro 12 qui va s'imposer, Tinorce qui remporte cette poule d'essai des poulains avec Thierry Jarnet. Le cheval partait pas favori de cette épreuve, mais il a eu un très bon comportement et il a gagné avec brio. C'est un cheval qui est polyvalent puisqu'il a été dans tous les terrains, aussi bien le bon que le terrain souple comme les Kendor apprécient. Voilà, vraiment le cheval très intéressant, je pense, pour l'élevage français. Encore présent à 4 ans, il remporte aisément pour sa rentrée le prix Messidor, groupe 3 sur les 1600 mètres en ligne droite de Maison Lafitte. Il avait de la vitesse, de la rapidité, un peu de tempérament, comme on les Kendor, et puis un cheval qui a été rustique, puisqu'il a quand même eu de bons combats, et il a été sérieux, il a bien tenu sa partie. Très signé par son grand-père maternel Kendor, Tinorce est le fils de Joyeuse Entrée, lauréate à 2 ans du prix d'Aumale, groupe 3. Avant Tinorce, elle avait déjà produit Becomes You, gagnante du Critérium de l'Ouest, Listed à 2 ans, et provient d'une souche prolixe, où l'on trouve deux bons chevaux dans une vaste gamme allant d'œil du maître, Miss Salvador en passant par Avaleur, Blue Brésil ou Malican. Débutant au haras de Grand Camp, au printemps 2013, Tinorce a été très convoité. Il a ainsi sailli 88 juments pour sa première année de monte. Thank you.